Bien-aimés sœurs et frères, bonjour. Sœurs et frères, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ notre Sauveur. Bonne fin d'année, bien-aimés sœurs et frères. Jodia est dans le cadre de cette série de sept derniers jeûnes de l'année, nous t'ai gagné pour que nous capable intervenir dans le dernier mercredi à 7h. Mais frère Présilus, dans la direction jeune, nous t'ai dit aujourd'hui à nous pas prêcher. Et demandez-le pour qui ça? Il dit n'a plus fait action de grâce au lieu de nous prêcher. Il dit mais le message est dans l'action de grâce. Faut me venir quand même. Et malgré me venir, moi n'a poussé là, poussé, mais le déjà midi moins 25. Oh, dans le jeûne, moi toujours aimé à ce que l'el midi boule pour nous trouver nous à genoux en prière. Dans ce sens là, dans environ 20 minutes, m'a regardé ça m'a entendu parce que moi persuadé que mon pamnan gain place li à la fin de série de sept derniers jeûnes dans Anéa en tant que pasteur l'église là ce serait manqué à mon devoir si que moi pas ta placer mon pamnan en sorte que bien-aimés sœurs et frères moi bay nous salutations fraternelles ça et sans oublier frère action nous yo qui de très loin, qui suivent nous à travers la page Facebook l'Église là, et qui très attentionné, beaucoup plus passé nous, à tout ça qu'a fait l'Église là. Moi, je dis aussi que la paix et la grâce de Dieu capable de multiplier en leur faveur. Et intervention, moi, tant que nous sommes dit dans le contexte, nous prenons la parole là, nous n'avons pas de temps pour nous présenter un sermon. Mais pour clôturer la série de sept derniers jeûnes de l'année, je viens faire une analogie avec vous. Mon petit genre thématique, sept derniers jeûnes, ont été un thème, même les pas présents là, je suis en live, moi, intervenant, je manqué, résonner dans la tête nous, thème cette série a été gagné. Qui thème nous a gagné encore? Qui t'aime série de jeunes ça a te gagné? Ouais même qu'on est nous pas qu'on est parce que à chaque intervention yo pas répété nous te gagné un thème et ce thème ça qui t'a orienté message yo méditation yo face aux événements de la fin moi j'irai. On nous répète encore face aux événements de la fin moi j'irai. Ça c'est très intentionnel. Et pas pour rien que nous t'ai formulé un tel thème. Et en résumé, nous avons une raison qui fait nous t'ai gagné thème ça. En sorte que je dis, pendant que nous pas gagné le temps pour nous développer un message, même pour le faire avec nous une petite analogie entre la fin de l'année et la fin des temps. La fin de l'année et la fin des temps. Qui ça nous observer dans fin année à là? Généralement dans toute fin d'année, particulièrement dans fin année ça. Qui ça nous observer? Qui ça nous observer? Je veux entendre nous. Qui ça nous observer? Je ne vais pas attendre, aller rapide. Je veux entendre au moins deux personnes qui parlent. Comment nous observer pays à? Comment nous observer société à dans fin année à? Hein? C'est pas vrai ça sentir. Sœur Huguette, qui sont ouais, qui sont ouais. Quant au problème, toujours un problème. Et il y a un pile problème. D'ailleurs, année 2021, il y a un pile difficulté. Depuis l'année 2019 à nos jours, depuis mars 2019 à nos jours, le monde bouleversé, pas vrai? Le monde bouleversé, vient gagner beaucoup plus de troubles. Bagayo chambadé depuis le coronavirus, te fin paraître là.
en pile moun te perdu travail yo et tout bagay l'ordre des de choses te bouleversé, n'est-ce pas vrai? Mais regardez jusqu'ici l'Éternel nous a secouru. Bien. Qui ça nous observe encore? Pendant l'année 2021, vin gon dossier vaccin qui vient bouleverser bon moun. Nous pas remarquer ça? Problème. Yon gros tremblement de terre produit dans le sud. Problème. Tout récemment, dans le mois de novembre, yon di fe éclaté. Bon Samarie, yon drame passé en pile moun au Cap mouri. Ça veut dire gen problème. Toujours gen problème. Chaque jour gen plus problème, gen plus gros problème, n'est-ce pas vrai? Mais qui ça nous remarque? Dans fin année à là, nous pas senti moun yon gon atmosphère de fête. Nous pas remarquer ça? C'est l'âme la tire attention nous. Tout moun a fêté. Oui ou non? Tout moun a fêté. Que nous même nous pas fêté Noël, nous fêté. N'a pas nous pas d'accord avec moi. M'pa vinn faire promotion pour Noël. Mais nous fêté à l'occasion de la Noël, gagné discount. Gagné spécial. Nous pas fêté Noël mais les yo fait rabais sous produit, est-ce que nous pas acheter? Est-ce que nous pas profiter pour nous acheter? Bon, d'une manière, nous fêtons. Nous fêtons. Yo bay congé, est-ce que nous pas prendre congé tout? Moun k'ap travay, yo bay congé, est-ce que nous pas prendre congé a? Nous fêtons. Yo bay bonus nan fin année, est-ce que nous pas bien content? Et puis gardez non, période ça, ou gen impression tout moun chrétien. Tout moun chrétien. Même si c'est dans la musique, il a kalaja, l'a chanté la naissance de Jésus. Même si la Bible n'a pas de date que Jésus est né. Même si en fait Jésus lui-même n'a pas recommandé rien en ce qui concerne sa naissance. Ni en termes de date, ni en termes de commémoration. C'est par rapport à sa mort que l'été baille, consigne dit, faites ceci en mémoire de moi, et samedi à nous te fait ça le recommander à chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez ma mort jusqu'à ce qu'il vienne. Prenez et mangez, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. Et va ça le recommander? Il recommander quelque chose par rapport à sa mort que nous devons annoncer, et ceci toutes les fois que vous en boirez ou vous en mangerez. C'est pas seulement 24-25 décembre, c'est pas seulement moment pascal, mais c'est toutes les fois. D'accord? Mais le monde a fêté la naissance de Jésus, tout le monde chrétien. Tout le monde chrétien. Dans le moment, ça m'a dit que c'était un peu droit. Les gens qui étaient chiches, ils étaient généreux. Dans la fin d'année, ils étaient bonne atmosphère qu'on est capable d'observer. Et puis tout le monde a dit, heureuse année nouvelle, bonne fin d'année, bonne fête fin d'année. Mais t'as une bonne soirée comme ça là. Sur WhatsApp, sur réseau, il y a une bonne petite bagaille. Ça veut dire qu'il y a des vœux qui ont échangé. Son atmosphère de fête. En dépit des difficultés, en dépit des problèmes, tout le monde a fêté. Oui ou non, est-ce que me fait mentir? Ça, c'est l'atmosphère de la fin d'année. Qu'en est-il de la fin des temps? Qu'en est-il de la fin des temps? Ça, c'est la question que me posez nous. Quand nous pensons à la fin des temps, qui ça nous vive? Qui émotion? Qui ça nous pense? En nous gardant qui ça, nous ka observer. Me dit nous observation personnelle moi dans société ya sur la fin de l'année. Mais qui ça m'observer ou bien qui te me poser une question qui ça nous observer les messages prophétiques yo a proclamé. Qui ça nous observer des messages sur le retour de Jésus a bail. Qui ça nous observer lorsque il a proclamé le message des trois anges qui dit qui bagaille encore même craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau.
Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. L'en attendez, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sur sa main ou sur son front une marque, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté nuit et jour devant les saints anges et devant l'agneau. Là, nous tendez message ça y aura. Comment nous sentons-nous? Là, nous tendez selon le témoignage de Pierre. Non. De Pierre 3, le verset 10. Hein? Quand il a dit, les cieux passeront avec fracas. Et les éléments embrasés se dissoudront. La terre et ce qu'elle renferme passera. Dis-moi qui sentiment, mais ça, ça y est éprouvé. Dis-moi non, qui ça nous observe? Qui ça nous observe? M'attendez-nous. Qui ça nous observe actuellement? Hein? Comment nous attitude mon nous? Est-ce que ça fait content? Est-ce que nous sommes content? Tout le monde sur le qui vive, tout le monde. Alors qui te me dit en pile monde anxieux, en pile monde peur, en pile monde anti gens. Yo, m'pa connais que yo a battre la chamade. Ça m'pa d'accord. M'pa d'accord ça, et m'pa comprendre. M'gade, m'wè prédicateur yo en désaccord. M'gade, m'wè adventiste ap divisé sous prétexte de la prédication du message des trois anges. C'est pas ça nous wè? Gen kèk fè, si nous pas konnen, ok, c'est pas là m'vin raconter nous. Mais gen problème, gen polémique. Entre les prédicateurs, même entre les pasteurs. Gen kap plenyen parce que yo accusé d'être dissident. Gen l'autre tout kap accusé faussement l'autre. Mba konnen, mba, gen pa ki pa intéressé. Mais moi yon sorte de désunion entre les prédicateurs laïcs, entre les pasteurs. Moun ap accusé moun injustement, sa kap di yo pa vle kite yo prêcher message des trois anges. Trouble. Mba d'accord, mba comprendre. Actuellement, gon série de moun tande yo di yo dirigeant l'œuvre lan pa vle yo prêcher message des trois anges, yo pa vle yo prêcher sur la marque de la bête. Qui a été causé ça? M'oublie, m'quitte la machine, m'ta montre nos revues de l'ancien qui t'est venu, qui sorti de la conférence générale, sur qui ça le basé? Le message des trois anges et la mission de l'Église. Gon série de moun qui utilisait, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, comme yon menace. Et ça fait de yo des alarmistes. Et quand on déclare yo alarmistes, yo plaignent de ça tout pour dire que nous-mêmes, ce message d'espérance, oh, ce message d'espérance, yo voulez prêcher. Je ne suis pas d'accord avec une série de prédicateurs qui a prêché seulement message de prospérité. Mais comment pas prêcher message d'espérance, là, bien-aimés, sœurs et frères? Le retour de Jésus, c'est notre ultime espérance. Oui, c'est vrai ou c'est pas vrai? Le message des trois anges est un message d'amour et d'espérance. Oui ou non? Je ne comprends pas. L'annonce du jugement, c'est pour faire nous peur ou pour réjouir nous, bien-aimés, sœurs et frères? Je ne connais pas. Il a toujours fait peur. Mais je dis, quand Dieu, par les trois anges parcourant le milieu du ciel, annonçant l'évangile éternel. On nous faut-il parler de l'évangile? Permettez-moi de sembler d'avoir quelques minutes ensuite. Que signifie l'évangile?
Evangelion. Ça signifie bonne nouvelle. Comment on fait pour ton bonne nouvelle pour et puis c'est pays fort père qui bagaille ça? Hein? Bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Le salut que Dieu offrit à un monde perdu. Le message des trois anges, c'est dernier appel de miséricorde de Dieu à un monde qui périt. Est-ce que le message ça a fait peur, bien-aimés soeurs et frères? Mais non, c'est une bonne nouvelle. C'est la nouvelle du salut éternel. Et cette bonne nouvelle est personnifiée. C'est une personne. Quelle est cette personne? Quelle est cette personne, bien-aimés soeurs et frères? L'évangile éternel, c'est Jésus-Christ. On va comprendre pour nous tendre des messages des trois anges et puis pour nous peur, pour nous anxieux. Si là yo qui rejetait Jésus-Christ et qui ne veut faire une alliance avec là, oui, il y a raison pour peur. Mon pas chita là pour peur. Si là yo qui a intérêt qui plus important pour yo que Jésus a. Si la yo qui gon péché a caressé qui tellement doux pour yo pa ka kitel yo di animal nan mal li nan mal net là c'est yo pou peur et yo pa ta doué peur puisque c'est choisi yo choisi bon Dieu a annoncé tout ça yo pour dire comment ça va lier c'est pour mettre nous en garde c'est pas pour vous condamner bien-aimés soeurs et frères aussi longtemps que vous vivant annoncer que Macbeth là a vini yo djou ki ça pour faire pour échapper yo djou ki ça pour faire pour échapper si vous besoin échapper fait ça vous devez faire accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et une fois qu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ amen ou pas amen. Observez les commandements de Dieu, c'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Si vous gardez les commandements de Dieu et vous avez la foi dans Jésus, ou qu'on n'a pas qu'à sauver vous-même, ou dépendre de Jésus, ou livrer en basel Jésus, ou dans le camp Christ là, et vous comme passer de la mort à la vie, ou pas venir en jugement, c'est pas ça qui dit. Ou déjà un verdict là, même si il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Dieu, n'a comparaître pas avec notre propre mérite, mais avec les mérites infinis de Jésus-Christ, notre Sauveur. Si vous acceptez Jésus d'un cœur sincère, bien-aimés, soeurs et frères, ou pas gagner à craindre. C'est comme pour vous dire, votre attitude en cette fin d'année devrait être votre attitude par rapport à la fin des temps. Voilà pourquoi le thème a été formulé face aux événements de la fin, moi, j'irai. Bon, moi, mais tout le monde qui pourra aller au nom de Jésus. Amen. Nous disons, béni soit l'Éternel. N'ayez pas peur, bien-aimés, soeurs et frères, des événements de la fin, si vous avez Jésus comme votre rédempteur. Et pour qui ça, face aux événements de la fin, qui n'est pas content, même gens qui sont contents en fin d'année, ou content pour prendre congé, ou content pour prendre bonus, ou content pour ou a dit bonne fête fin d'année, ou a formulé des souhaits. Face aux événements de la fin rivée, c'est pour nous souhaiter, tout chrétien doit souhaiter notre persévérance, courage, bonne persévérance, bon courage dans le Seigneur. Kembe ferme dans le Seigneur. C'est ça pour nous dire, nous pas gain pour nous peur, nous pas gain pour nous alarmer, voire diviser entre nous. Il y a une question vaccin vini. Mais vaccin pas marque de la bête. C'est une question de santé. Et dans tout cas, en matière de santé, chaque monde est libre pour choisir ça yo vle. Même là, pour tant qu'il te temps, ou pour le prendre, ou pour le faire une opération, il faut signer. Il faut signer volonté ou que vous d'accord pour opérer. Il y a certains médicaments éventuellement qui ont des effets secondaires. Il faut l'administrer ou yo, c'est volonté. Bon, dans le contexte, dans l'intervention, ça ne m'a pas discuté.
tout ça qu'a élaboré pour l'application de vaccin qui peut-être qu'a mettre nous en garde. Mais les adventistes jusqu'à présent pas un problème avec monde qui vacciné et pas un problème avec monde qui paraît décider vacciner. En sorte que côté m'a parlé avec nous là, m'a pas dit ou ni vacciné ni pas vacciné. C'est normal que ça doit rester sous conviction personnelle ou dans l'église là grand pile monde qui vacciné déjà et si m'a dit monde lever main il y a quelqu'un qui lever main oui il y a là quelqu'un qui vacciné déjà tout comme quelqu'un qui dit pas prendre vaccin. Est-ce que yon dirigeant l'église adventiste ka vinn orienter yon monde dans sens ça? Non pas d'accord avec moi parce que gagne une série d'idées qui déjà mais toutefois face aux événements de la fin, élaboration vaccin jusqu'à présent dernière décision c'est dans main ou lié. Grand pile monde n'importe décision ou pas prendre la vie yo entendre yo avec le Seigneur et le Seigneur ba yo orientation. Mande bon Dieu pour y bonne direction pour qu'on soit vacciné ou pas. Mais ça pas besoin faire une polémique pour diviser les chrétiens. Les chrétiens adventistes qui attendent depuis si longtemps le retour du Seigneur. Que votre attitude face aux événements de la fin soit comme je l'observe en cette fin d'année, bien-aimés frères et frères. Moi, c'est ça que je viens de dire, nous, aujourd'hui, dans le dernier mercredi année. Soyez contents. Même j'en nous content, en pile moun k'ap di Seigneur merci parce qu'on te fait moué 2021 en dépit de difficultés. Dis bon Dieu merci parce que jusqu'à présent, la porte de grâce est encore ouverte. Ou ka di yon moun Jésus ap vini et moun sa a, li ka décidé pour l'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel li. Dis Jésus merci parce que jusqu'à présent, selon les événements de la fin, nous pas quoi que porte de grâce la ferme. Si vous avez péché ou t'as caressé, côté n'a pas parlé là ou qu'a prendre décision pour quitter. Réjouis de ce que la porte de grâce est encore ouverte. Ou gain possibilité pour choisir encore, pour régler cause avec Dieu. Et si vous régler cause avec Dieu, bien-aimés chers et frères, ou pas besoin de peur les événements de la fin. Avertissement yo pas de condamnation. C'est ça que fait le avertissement. Lors averti, il y a un comportement qu'on doit adopter. Mande bon Dieu Saint-Esprit pour le bon discernement, pour éviter le mal sous toutes ses formes et pour adopter le comportement qu'on doit adopter. Nous avions un texte de base pour cette série de sept derniers jeûnes de l'année. Les trouver là. 1 Pierre, chapitre 4, merci, verset 7. Qui ça le dit, bien-aimés, soeurs et frères? Et c'est là, d'après la parole de Dieu, nous conseiller pour qu'on ait face aux événements de la fin, qui comportement on doit gagner. Apôtre Pierre, dans sa première lettre, chapitre 4, verset 7, il a dit, la fin de toutes choses est proche. Quand on vous annonce que la fin de toutes choses est proche, qui s'en doit faire? Il dit, soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. C'est le moment pour nous prier plus. Suspendre faire commérage. Suspendre livrer nous dans la course effrénée sans tenir compte de la volonté de Dieu. Pour poursuivre intérêt mesquin. Chrétien, je dis, y'a. Crise gaz la vini, utilisateur ou pas qu'à approcher de pompio ou faire arrangement. Quand y a monté 250 gouttes galon gasoline, mon prend 201 gouttes et puis y vend ni 1500 gouttes. C'est ça pour six mois de faire. Monsieur marié, madame marié, retak madame ou retak maro. Jeune femme, jeune garçon, l'adultère c'est péché. Tu ne commettras point d'adultère. Si ce monde fait mentir sur le monde,
suspend vos affaires à moun. Sous malade, c'est non Jésus pour invoquer. La prière du juste a une grande efficacité. Ou t'es doudé pour ou baptiser à l'église adventiste déjà, quel que soit avantage qui vient, jour sabbat, vienne adorer Dieu. Pas y travailler jour samedi. Répondez à la cette convocation. Pas qu'on voit ta faire à moun. L'observation des 10 commandements de Dieu. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu. Soyez donc sage et sobre. La sagesse. Quel est donc le commencement de la sagesse? La crainte de l'Éternel. Et quelle est donc la crainte de l'Éternel? L'observation de ses commandements. Si vous avez crainte pour bon Dieu, vous observez les commandements. Soyez sage. Soyez sage. Et comportement de sobriété à même. Là, on dit soyez donc sobre. Soyez humble. Soyez humble. Mettez l'orgueil à côté. Mettez la haine à côté. Cultivez l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Soyez donc sobre. Et pendant qu'on applique ça en termes de conduite, approfondir relation avec le Seigneur par la prière et par la méditation. C'est ça, apôtre Pierre conseille nous. Puisque la fin de toutes choses est proche, ce n'est pas moment pour nous diviser sous parole la même. Sous ça que nous devons prêcher, nous ne sommes pas obligés de diviser sur l'esprit de prophétie. Unissons-nous, ayons un même langage, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Ce n'est pas le moment pour nous diviser. C'est le moment pour nous entendre nous sous ça la Bible dit. Que la Bible ne soit pas l'objet d'aucune interprétation particulière. Prêche la parole en toutes circonstances, favorable ou non. Exhorte, censure. C'est tout ça que nous faisons, bien aimés soeurs et frères, puisque la fin de toutes choses est proche. Le verset 8 continue pour dire, avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres. Nous autres disons ça, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Ah, parole là claire, mes amis. Gardez ça qu'a fait là yo pour nous ça pour nous corriger. C'est pas moment pour n'a faire clan. C'est pas moment pour n'a suivre moun. C'est pas moment pour n'a voyer toya sous l'autre. C'est moment pour nous entendre nous sur la prédication de la parole. C'est moment pour nous avertir le monde que Babylone tombe. Sous pas dans Babylone ou pas décider de rester dans Babylone ou pas besoin peur. L'annonce de la chute de Babylone, il n'y a pas besoin d'alarmer nous. Mais c'est le moment pour nous ranger causé. Le retour de Jésus doit être pour nous une réjouissance. Les événements de la fin, martyr, mépris ou gloire, quel que soit ça lié, soyez prêts et réjouissez-vous dans le Seigneur, bien-aimés soeurs et frères. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous pas d'accord avec moi. Si nous d'accord avec moi, est-ce que quel homme te gagne pour chanter encore ou bien il chante déjà? Il chante déjà? Merci. Si nous d'accord avec moi, non, synthèse ça que me fait là, pour orienter attitude nous vis à la fin des temps, j'en nous y est là face à la fin de l'année. C'est salié. L'auteur du chant 217, d'accord avec moi quand il dit, réjouis-toi chrétien, voici ton maître, il va quitter son glorieux palais. Trois messagers, le message des trois anges, ici-bas vont paraître et préparer le royaume de paix. Amen ou amen. Le message des trois anges, bien-aimés, soeurs et frères, c'est pour préparer un royaume de paix. Ce n'est pas pour vous alarmer, voire vous diviser. Mettez-vous debout et chantons ce cantique. Et nous allons prier pour bon Dieu, baille-nous attitude de joie ça, attitude d'espérance ça, attitude de paix ça, de sorte que pour nous traverser l'année 2021,
selon la volonté de Dieu, pour nous saluer l'année 2022 et pour nous continuer à vivre de jour en jour, vivant ou mort, nous sommes le Seigneur. Amen ou pas amen. C'est comme ça que nous pouvons prier, nous mettons-nous debout pour que nous chantions le numéro 217. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître, il va quitter son glorieux palais. Toi, messager, ici-bas vont paraître et préparer le royaume de paix. Encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le premier ange au vol grand et rapide sur tous les lieux répète solennel: crains le Seigneur, ô toi monde perfide, le jugement va descendre du ciel vert. Encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève. Fuis Babylone, annonce le deuxième. Le bon berger rassemble ses troupeaux, il les conduit à la maison qu'il aime, et sur les pays il répand ses fléaux. Encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève. Le troisième ange apporte son message et les appels de la grâce ont pris fin. Loin de l'agneau, funeste est le breuvage où l'ennemi consomme son fait encore, fait encore bientôt dans la gloire. Notre roi paraîtra des cieux. L'immortelle victoire, voici le jour, frère, lève les yeux. Attendez, non. Il faut se camper nous là avant de nous chanter le dernier couplet. Je ne veux pas nous chanter de manière machinale. Je veux nous chanter pour nous ramasser conscience. Nous. Pour nous prendre parole, ça y est, pour nous faire l'expression de cœur nous. Dans toute sincérité, pour nous dire, bon Dieu, en tant que le sauveur du monde, qu'il écoute notre prière. Et ses enfants, sur le déclin du jour, qu'a prié, et que le fait par l'esprit, que la lumière jaillisse, la lumière de l'évangile qui annonce son retour. Nous sommes porteurs de bonnes nouvelles, bien-aimés, sœurs et frères. Le Saint-Esprit est à notre disposition, comme il l'a été aux disciples de Jésus au jour de la première Pentecôte. Et c'est le moment où l'Église doit être prête à recevoir la pluie de l'arrière-saison pour qu'ensemble, de même cœur, de même pensée, nous capables d'hâter le retour du Seigneur. Est-ce que nous voulons faire prier ça? Amen. Sauveur du monde, écoute la prière de tes enfants sur le déclin du jour. Fais par l'Esprit qu'il porte la lumière de l'Évangile annonçant ton retour. Fais encore bientôt dans la gloire. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Amen. Bien-aimés, sœurs et frères, fais cœur content. Fais cœur content pendant que nous allons mettre à genoux.
nous pourrons reconsacrer nous au Seigneur. Fais comme si c'est notre, c'est la toute dernière prière de notre vie. Et m'en demande bon Dieu pour doter nous de son Saint-Esprit pour que nous fassions face aux événements de la fin avec joie et bonheur, d'un cœur ferme pour témoigner en parole et en conduite jusqu'à la mort ou jusqu'à son retour. Amen. En nous priant le Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu trois fois saint, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Consolateur, notre grand pourvoyeur, à toi, la puissance et richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Agenouillés devant ton trône de grâce, en ce midi, le dernier mercredi de l'année 2021, nous te bénissons, nous t'exaltons, ô Éternel, notre Dieu, pour tout ce qu'on fait pour nous, depuis lorsque nous étions une masse informe. Oui, le psalmiste témoigne que tes yeux nous voyaient et sur ton livre était tout inscrit les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Nous bénissons ton saint et grand nom pour ton omniscience, ton omniprésence, ton omnipotence déployée en faveur de chacun de tes enfants, quelques faibles et pécheurs, indignes et misérables, que nous capables de trouver nous. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, événement que nous vivons aujourd'hui, nous sommes capables d'étonner nous, nous sommes capables de prendre nous à l'improviste, mais tel n'est pas le cas pour toi-même, parce que dans ta prévoyance, tu vois le dernier jour de notre existence avant même que nous existions. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, oui, ou te connais que gagnons tant de troubles qui t'a venu comme ça. Et ou avertis nous de diverses manières et à plusieurs reprises, à travers les prophètes de l'Ancien Testament, les apôtres du Nouveau Testament, à travers les écrits de ta servante Ellen G. White. Si seulement nous attentifs, une série de problèmes nous pas connaissons. Ça fait longtemps que nous t'avons annoncé ton retour. Depuis le jour de notre conversion, depuis lorsque nous t'es accepté comme sauveur et seigneur personnel, nous. Pour qui ça qu'on y a pour parole la même capable de diviser nous? Pour qui ça nous capable de troubler? Parole la pas nouvelle. C'est renouveler, nous devons renouveler d'intelligence pour nous appliquer l'envie, nous. Mais pas gagner de nouveau. Tu as dit au Dieu, parce que tu connais que tant tu as vint troublé, ou tu prévenu nous par la bouche de l'évangéliste Jean dans son évangile au chapitre 14, les versets 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Aïe nous Saint-Esprit ou dans le moment ça, pour que nous ne pas troubler. L'ennemi a fait tout ça le capable pour s'y mailler trouble dans le temps peur pour nous. Que Saint-Esprit ou capable sous nous. Parce qu'elle connaît si nous troubler, nous diviser, nous sommes faibles et puis la remporter. Aide-nous à être de commun accord. Au point où nous ne sommes pas venus, aide chacun de nous à marcher de même pas, à quelque niveau que nous y est. Sois simple croyant, membre de ton église, de la véritable église de Jésus-Christ, la toute dernière. Aide-nous à rester en communion, pour rien pas faire nous abandonner, assemblez-nous,
comme c'est la coutume de plusieurs. Aide-nous en tant que dirigeants des églises locales. Aide-nous en tant que dirigeants au niveau des missions, de fédérations, au niveau des unions, au niveau des divisions, au niveau de la conférence générale. Que tout cela qui est élevé en dignité pour prendre la reine de ton église, pour l'amener à accomplir sa mission jusqu'à ton retour, que vous capable bailler nous discernement, que vous capable embraser nous de tes feux, bailler nous zèle de l'évangile, et que le message des trois anges soit proclamé comme cela devrait être, sans aucune orientation détournée, et que nous capables appliquer dans la vie, nous. Que nous capables laisser nous avertir, et que cet esprit guide nous sur chaque pensée, chaque parole et chaque action. De sorte que ce n'est pas parce que nous avons fait ça pour nous gagner le salut éternel, mais c'est parce que Jésus t'a bâillé sang qui t'a coulé à flot sur le bois infâme du calvaire. Et pendant nous dans l'espérance ça, pendant de cœur joyeux, nous avons réjoui nous de ton retour. Arme-nous pour faire face aux exigences de la vie. Oui, nous continuons besoin de manger. Nous continuons besoin de boire. Nous continuons besoin d'un côté pour nous dormir. Nous besoin en harmonie les uns envers les autres. Nous besoin de travail. Nous besoin de marier. Nous besoin d'un petit. Même si Jésus doit venir demain matin, ce n'est pas un péché pour nous faire des plans pour 100 ans. Aide-nous à faire des plans sages. Et selon volonté ou selon la richesse de ta gloire, pourvoir à tous ces projets pour nous réaliser pour gloire. Déverser bénédiction sur nous et que bénédiction a déversé sur nous, capable de répandre sur tout entourage. Petit ou selon ses besoins, de déposer des requêtes de prière consignées dans un morceau de papier, de déposer sous boîte ça. Ô éternel notre Dieu, ou même qui a les yeux de flamme de feu, qui connaît tout ça qui est écrit dans boîte ça, viens faire lecture. Viens faire lecture. Tenez compte de chaque cas. Ou connaît yo en nom yo par ça qui est exprimé dans yo. Côté met à chaque rété ou connaît yo visitez yo et que présence yo, capable réjouir yo, capable combler tout vide, spécialement les vides spirituels. Ô éternel notre Dieu, nous avons une pensée pour Bodo Joseph, Junia Marcellus, Louis Chéri Lest, Raymond Modestime, Vélanda Joseph, Sœur Mikla Apollon, qui est malade, voyez yeux vers vous. La sœur Clélie côté li on connaît, sœur Luni Philistin ou connaît, sœur Modaltidor ou connaît yo. Béni chaque petit tout. Gagnez qui constitue un groupe pour motiver la foi, l'espérance et l'amour, pour motiver à la prière, à la méditation, pour motiver des œuvres sociales, des confraternités. Le groupe des cachistes qui constitue le groupe, c'est par la foi. Le groupe des ouvriers de ton œuvre. Les groupes de l'église qui a prié sur WhatsApp. Chanel Cri des Martyrs. Une bonne organisation de prière, d'évangélisation qui a contribué à ton œuvre sur les réseaux sociaux. Les frères et sœurs qui suivent nous par Facebook en ce présent moment. Côté yo yeya, touchez yo. Bénis yo, sauvez-yo. Et par-dessus tout, ô Dieu, fais que nous sommes capables de marcher en vêtements blancs pour te représenter dignement parmi les hommes. Retirez tout esprit de crainte, esprit de peur. Parce qu'on ne bâille nous un esprit de servitude, mais on bâille nous un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier Abba, Père. Bâille nous cette conviction en cette fin d'année.
et donne-nous de marcher comme des vaillants soldats. Et l'on va venir, on va trouver nous debout sur la mer de verre pour chanter le cantique de Moïse et de l'agneau. Et nous capables de crier, tu es digne, notre Seigneur, de recevoir la louange, la gloire, la puissance, la force, la richesse des avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. 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 Jésus-Christ poil paraît, en pile mon content, et prêt, yo va finir. L'absemble est bon côté, tout le monde qui aime lui, lui-même lui a fini. Amen. Ça fini, parole lui dit moins ça, la fini. Événement yo dit ça, la fini. En nous tout chanter ça, lui-même lui a fini. Amen. Amen, amen. Bonne fin d'année et que le Seigneur capable bénir. Juste avant de prononcer la bénédiction, frère Brésilis a bâillé un conseil. Frère, chers frères et sœurs, nous avons regardé que nous avons dit nous avons bâillé un jus avec des pains, etc. Mais il est possible de ne pas répondre pour nous faire. Mais plus tard, c'est sûr, nous avons mangé ensemble. Donc, nous avons fait la dernière partie pour faire plus tard et nous avons prié ensemble. Parce que c'est un bon râle, parce que nous plus ou moins, et que l'église adventiste, parce que nous, parce que nous avons dit dans le message là, nous possédons, nous avons dit nous possédons, pas finir à appeler, mais c'est que nous possédons le Saint-Esprit, et bien, qui guide nous, qui oriente nous, qui bat nous lumière. Restez calme, restez à genoux, et bien, nous, quand tu as sauvé, faut nous sauver, quand même. Pour autant de nous. Quand tu as sauvé, faut nous sauver, amen. Événement par événement. Et catastrophe par catastrophe. Quand t'as sauvé, faut nous sauver. Quand même. Donc, vivant ou mort. Vivant ou mort, c'est ça, pasteur. Advienne que pourra. Donc, plus tard, à 7h30, nous commençons à rassembler à 8h exact. Eh bien, nous avons commencé avec Vie de Nuit. Merci. Recevons la bénédiction. Et maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit demeure sur chacun de nous et que sa paix et sa grâce nous renvoient de ces lieux au nom de Jésus. Amen. Mais Jésus a venu, non pas qu'on est qu'il est, seulement l'immandez-nous pour nous veiller prier, pour qu'il en grand jour ça, et joignons tout pareil. Oui, même lui a fini, amen, la fini, la fini. Parole et dis-moi ça, la vie dit. Allez, allez.
si en enchanté, mon Dieu. Si gen en nous, qui l'a, donc j'ai mal ma espoir, c'est que nous fait. Yeah.